Bonjour, je suis Nathalie Schreiner, je suis enseignante d'allemand au collège-lycée Notre-Dame-Saint-Jean à Épinal. Alors, si j'ai voulu présenter ce projet Empathie avec une classe de terminale, c'est pour deux raisons. La première, c'est que je les sens très soucieux des injustices qu'ils peuvent vivre au quotidien et qu'ils repèrent aussi dans la société en général. La seconde raison, c'est que je voulais leur proposer, à l'issue d'une séquence qui portait sur l'intégration, inclusion des réfugiés, des solutions ou des actions à mener pour inclure ces fameux réfugiés. Alors, pourquoi votre classe est terminale? Parce qu'on est des jeunes adultes et qu'on est prêts à rentrer dans la vie active. C'est un peu la même idée que du fait qu'on allait rentrer dans la vie active. En fait, on parlait de devenir des citoyens. Ouais, l'empathie, bon, c'est pas écrit dans la loi que c'est un devoir de citoyen, mais ça fait partie quand même des valeurs, des responsabilités, oui, des valeurs qui sont importantes. Parce que l'empathie, c'est en quelque sorte, c'est écrit dans la loi, parce que par exemple, s'il y a quelqu'un qui se blesse et qu'on ne fait rien, on peut se faire poursuivre pour non-assistance à personne en danger. En tout cas, vous savez faire preuve d'empathie, effectivement. Qui sont les citoyens de demain? C'est vous. Alors pourquoi dans notre classe de terminale par rapport à une autre classe de terminale allemand par exemple? C'est que on dirait que globalement dans notre classe il y a une bonne communication entre les élèves et on n'a pas vraiment de souci à parler entre nous. Alors l'empathie, vous la définiriez comment? On a parlé de solidarité. C'est savoir se mettre à la place des autres. Qu'est-ce que vous en dites? Paul, c'est quoi l'empathie? C'est un peu comme de la compassion. Alors, j'ai pas pour EM, mais pathie, ça vient du grec, hein, ça veut dire douleur, enfin maladie, et il me semble que ça veut aussi dire douleur. Donc, finalement, c'est partager la douleur des autres. Donc, elle se témoigne surtout dans les situations difficiles, douloureuses. Mais c'est aussi partager la joie des autres. C'est douloureux, enfin, on peut aussi partager ce qui nous chagrine, mais on peut aussi partager nos joies, ce qui nous a rendu heureux. Alors, dans un premier temps, les élèves se sont regroupés par affinité et ont travaillé, ont listé les situations d'inconfort qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Nous avons eu droit à de beaux échanges très fructueux en termes d'écoute et d'empathie. Des situations d'inconfort, alors qu'ils sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas lieu seulement dans le milieu, dans le cadre de la classe, mais peut-être en famille, à l'extérieur, et que vous en listiez une chacun. Sur une étiquette. Parce qu'après, on va rebondir dessus en parlant de ces fameux réfugiés qui se trouvent aussi dans des situations d'inconfort. Mais là, ça reste à titre personnel. Enfin, je vous laisse réfléchir un peu. D'accord? Ensuite, ils ont cherché à mettre en parallèle leur propre situation d'inconfort au quotidien avec celle que vivaient certaines personnes qui étaient en situation de détresse et ils se sont rendus compte que l'empathie favorisait l'inclusion. L'exclusion, ça va dans deux sens, dans le sens où on peut être exclu, on peut se sentir exclu de là où on vient, on peut se sentir exclu une fois qu'on arrive parce qu'on n'est pas accepté, mais être exclu est différent de ne pas réussir à s'intégrer ou d'avoir du mal à s'intégrer. Du coup, dans des situations inconfortables, on peut rajouter devoir s'intégrer à un milieu. Parce que, entre guillemets, sans nous, nous, au sens de la France, si on les accueillerait pas, on ne sait pas où ils iraient. Il y a aussi du fait d'une situation d'inconfort, ne pas se sentir à l'aise dans le pays où on arrive, parce que des fois, il peut y avoir comme un choc des cultures, parce que, par exemple, dans une culture, on a des valeurs, etc. On ne trouve pas forcément dans le pays où on arrive et on peut être en désaccord avec ce qu'on voit et être choqué presque des fois. Ça dépend de quoi on parle. Mais... La xénophobie et le racisme. Moi j'aurais dit les préjugés, mais je ne sais pas trop l'expliquer. Alors de quels préjugés on parle? Des préjugés culturels. Il y a d'autres préjugés aussi, donc religieux, culturels, hein, c'est ce que Noah vient de dire. Créés par quoi? Est-ce que les préjugés sont bien créés par quelque chose? Faire. Vous avez 18 ans, vous êtes en terminale, donc les futurs citoyens, c'est vous. Je vais vous laisser réfléchir sur les aides qu'on pourrait apporter en situation, quand on est en situation d'inconfort.
Alors pour terminer, les élèves sont passés à l'action et ont présenté des projets qui visaient à inclure quiconque se trouvait en situation d'inconfort et de détresse. Bonjour à tous, alors nous on est deux lycéens de Saint-Jean, on est dans le centre scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph depuis la 6e, donc ça fait 7 ans qu'on est là. Cette année on est en terminale, on passe le bac. Voilà. C'est vachement bien. Alors le groupe d'allemand là, bah, il a bien changé depuis la 6e parce qu'il y a de nouveaux élèves qui sont arrivés, etc. Mais le groupe qu'on a là, il est vraiment bien parce qu'on peut vraiment dire tout ce qu'on veut. Et là on a parlé notamment des petits problèmes qui pouvaient nous arriver, ça peut être l'injustice, du stress, etc. Et c'était vraiment intéressant. Voilà, du coup, nous on a participé à ce projet, ça nous a beaucoup plu. On a pu aborder des thématiques du quotidien. Importantes. Ouais, importantes, surtout avec le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu de cette expérience? Alors déjà, c'est une participation qui est collective. On a construit tous ensemble notre réponse à ce sujet. Et puis aussi, c'est une autre manière d'apprendre, puisque d'habitude, on va apprendre donc ici le thème de l'empathie par intermédiaire d'un prof qui nous fait cours. Et là, c'est vraiment nous-mêmes qui avons construit tout ça. Donc l'expérience, elle m'a beaucoup plu. Alors je pense qu'on peut avoir confiance en l'avenir, que ce sont des jeunes qui aiment travailler ensemble, qui aiment réfléchir sur des sujets qui sont quand même très importants aujourd'hui. On voit que les crises, elles s'accumulent, qu'il faut absolument trouver des solutions et qu'ensemble, on peut y arriver. Donc voilà, moi, je pense que tout le meilleur est encore à venir. Alors, pour conclure, je dirais que mener ce projet avec une classe de terminale m'a beaucoup plu. Je suis prête à le renouveler parce qu'il est indispensable de cultiver ces valeurs européennes. Il est indispensable de cultiver l'empathie. En termes d'inclusion, les élèves sont vraiment pleins de ressources. Et c'est très prometteur pour l'avenir. Du coup, voilà, merci beaucoup et puis à très vite.